Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour la première mission du second épisode. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc comme je vous disais, moi, de mon côté, j'ai un peu d'appréhension, hein, c'est vrai. Ceci est un acte manqué. Nous sommes trop jeunes pour mourir, mais voilà, donc j'ai confondu. Donc j'avais fini ce premier épisode toute seule, mais j'en étais au deuxième, et c'était le deuxième qui me faisait vraiment très très peur. Mais celui-là me faisait peur aussi, mais j'ai pu le finir, donc je pense que je devrais pouvoir vous le finir sans trop de difficultés. Hein. Enfin, sans trop, hein, je dis bien pas sans difficulté, mais sans trop de difficultés. Donc nous sommes trop jeunes pour mourir déjà, ça me fait bizarre parce que... Parce que il y a beaucoup moins de monstres que dans Earth Me Plenty. Donc tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être qu'un soleil... Oh non, ça y est, je me souviens. Oh là 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 là. Bon, je sais que je n'en donne pas l'impression parce que je suis morte de trouille, mais je suis vraiment très heureuse de vous montrer ces épisodes. C'est vraiment un jeu qui a une grande valeur sentimentale pour moi et que j'adore vraiment. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo tout court. C'est lui qui est à l'origine de ma passion pour les jeux. Et donc, si je crie, si je râle, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Je le précise parce que dans 5 minutes, je vais crier. Donc, voilà. Je préfère, même si je m'énerve, même si je lui crie après et tout ça, bah, je suis quand même très heureuse. Je l'aime beaucoup. Et je suis encore plus heureuse de le partager avec vous. Donc voilà. Voici, voilà. Ce passage, je ne supporte pas. Donc quand je vous parle du fait que les développeurs du jeu sont des énormes sadiques, méchants et tout ça, bah voilà. Ah non ! Voilà. Ce pont s'est effondré sous mes pieds pour me faire tomber dans ce putain de poison rouge que je déteste par-dessus tout. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Et honnêtement, quand il y a du poison à côté, je ne veux pas le savoir, donc voilà, si ça déclenche un secret, tout ça, ben voilà. Pour les secrets au poison rouge, soit je le préfère par mon père, soit je vous dirai où ils sont. Jamais je ne vous les ferai. Alors le poison rouge, je ne veux pas y aller, je déteste ça, je ne supporte pas ça, et voilà. Voilà, donc je vous disais, ce jeu est absolument génial, je l'adore, mais voilà. C'est pour ça que je tenais à vous le préciser, parce que quand il y a du poison rouge, je risque pas de vous donner l'impression que ce jeu me plaît. Et que voilà. Alors que si complètement, je suis très heureuse d'être là. Donc voilà, ceci doit être un secret, parce que moi j'y suis pas allée pour finir le jeu. Je sais pas, je vais aller dans celui-là. Bah d'ailleurs c'est... Ah mais j'ai cru qu'il y avait eu un problème. Je suis très calme. Je n'ai pas peur. J'essaye de me convaincre pour vous parce que sinon ça va être chiant. Ah putain. Eh, c'est un monstre, c'est un soleil. Hein. Enfin pardon, dans Earth Me Plenty c'est un soleil. C'est un soleil qui permet d'ouvrir ça. Normalement il y a un soleil là-dedans. Et bizarrement, je crois que je préfère les soleils aux têtes de mort. Peut-être parce qu'ils apparaissent moins par surprise, hein. Ils sont moins perfides. Attendez, je suis paumée, là. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah oui, voilà, ça a fait apparaître ceci. Oh là là, mais j'ai toujours peur que ça me fasse apparaître dans le poison. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est pas logique, mais bon, c'est pas grave. Meurs! Voilà, ouf! Voilà, donc comme je vous disais, nous ne sommes pas obligés d'aller dans le poison pour finir ce niveau. Ce qui est une très très belle nouvelle. Nous n'avons rien ramassé, nous n'avons rien eu, mais vous avez vu le niveau et nous avons réussi à le finir. Donc ça, c'est super. C'est exactement... Voilà, donc c'est là que je suis bloquée. Donc, je sais, on ne dirait pas comme ça, mais vous verrez quand j'essaierai de vous le faire. Je ne suis pas trop... Honnêtement, je sais pas, je vais peut-être essayer de vous le faire là directement, mais honnêtement, déjà que le pont, je sais pas, mais ça m'embête de vous bloquer sur un truc comme ça. Bon, écoutez,
Je vais me faire mes hésitations pendant une demi-heure toute seule là et je verrai si. Si je vous le fais. Je tenterai évidemment pour vous, mais. Oui, parce que si je demande à mon père, ce sera vraiment pas tout de suite qu'il pourra le faire, donc. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous faire les autres avec les autres difficultés, que vous puissiez voir un petit peu les changements. Ben voilà, comme je vous dis, j'ai été particulièrement surprise de la tête de mort volante parce que normalement c'est un soleil dans le niveau normal. Donc on verra ce que ça donne. Donc déjà, je sens bien. Ben, je vais vous dire très très bientôt, déjà au moins pour les autres difficultés et peut-être pour celui-là. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Hein. J'essaie de pas trop râler. De pas trop râler pour pas que ce soit trop chiant pour vous. Je fais de mon mieux. Hein. Et donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.